Bon, après nos 307 marches, on a atteint le sommet et on est assez époustouflé. Le parc en bordure de mer, on va y faire le tour, comme sur une presqu'île. Alors au bout d'un bas, sur la côte, c'est ce qu'on va faire à vélo dans 2 jours. On va aller jusqu'à Mostar, non, jusqu'à Markasa. À Mostar, puis Sarajevo, descendre à Dubrovnik. Et ensuite, on se bat. Il y a des petits voiliers. Là, c'est l'autre côté. On voit un peu la ville. Oups. Le fameux parc. Et le drapeau, le blanc rouge, une des îles, des nombreuses îles. Et hop, c'est une croix. Bon, Dioclétien est vraiment mort. Étonnamment, il avait pris des chrétiens pour construire son palais, son mausolée, son futur mausolée. Et quelques années plus tard, il a décidé que, bon, les chrétiens, ça se liquidait. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est quand Diomus est rentré après la mort de ce fameux Dioclétien. Ben, il a défait le mausolée. Ils ont tout jeté. Ils en ont fait une cathédrale. Voilà. Ici va le monde. Alors, on va redescendre. Mais Louis, là. Salut! La vie est belle? Bonjour madame! Bonjour! Oui, la vie est belle! Ah, c'est bien!